On va jouer à Crash Bandicoot. Je l'ai jamais lancé. Ça va être rigolo. Game capture, c'est parti. Du coup, j'enlève ça. Je sais pas où il faudra que je mette ma tête. Ma grosse tête. C'est parti, on est parti. C'est la base de connaître toutes les merdes en musique. Oui, comme ça tu peux. Déjà, pour critiquer, il faut connaître. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il faut connaître. Je collectionne les canards vivants. Faut qu'ils soient vivants, les canards. Les canards, sinon c'est trop facile. Jouer au jeu. J'ai cliqué sur jouer au jeu et ça se lançait pas. Je reclique sur jouer au jeu. Ah, c'est beau, putain. Alors, c'est en mode fenêtré, par contre. Les Aristochats. Activision présente un tourbillon prêt à tout casser. What? Développé par Vicarious Visions. What? Voici Crash Bandicoot. Insane! Ah, trop bien! J'avais joué au Crash Team Racing, j'avais joué après au truc qui semblait à une sorte de Mario Party, mais avec Crash Bandicoot, c'était plus orienté multi. J'avais joué au premier. Ah. Ah. Oubaga. Oubaga. Ah oui, j'ai oublié. Une version intégrale du contrat de licence utilisateur final est disponible en ligne. Ah, super. Ah, ça donne vachement envie tout de suite. Hein. La politique de confidentialité disponible sur Activision, il faut accepter le cluff. Et la politique de confidentialité pour continuer. Ah d'accord. Bon bah j'accepte. Ah, ça donne envie hein, tout de suite. Hein. Ouf, ils savent te mettre en confiance. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il gueule comme ça? Crash Bandicoot! Le Crash Bandicoot! Graphisme. Pourquoi fenêtré? Non, pas un écran fenêtré. IPS max. Ah oui, d'accord. Ah, on peut pas mettre. Ok. Ah, bah, je suis en ultra, hein. Ultra partout, hein. Voilà. Flou, flou, flou. Il est flou à flou. Oui. Hop là. Oui. On peut pas mettre à plus de 48 FPS donc. Peut-être sur le premier en un. Bon bah c'est parti. Stormy Accent. Pourquoi Stormy Accent? Ok. Hâte de voir les périodes de tryhard de Drage. Oh, tout de suite. Tout de suite. Mais Docteur Cortex, nous n'avons pas trouvé la cause des précédents échecs. C'est joli. Imbécile. Ce Bandicoot sera mon général. Et il guidera mes commandos Cortex. Crash Bash, c'est ça. Le 4, du coup. Ah, c'est bien plus joli que ce que j'avais vu du remaster. Hein. Plus près du but que jamais. Vite, dans le vortex. Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Non. Le pauvre petit renard. Attends, c'est quoi en vrai? C'est quoi un crash? C'est quoi comme animal? C'est pas un renard. Hein. Un bandicoot, c'est quoi? C'est une sorte de dingo? Un diable de Tasmanie, quoi? Un truc comme ça? Un bandicoot, mais c'est quoi, bandicoot? Préparez la femelle. I love this game too. Oh! Ça, c'est sa sœur, je crois. C'est pas sa meuf, hein, c'est sa sœur, il me semble. Sexy. Insanity, bitch! Beach. Not bitch, beach. Let's go to the beach. Oh, this sound. Oh. Wogada. Oh yeah, there is a wogada là-bas. Oui, je sais que je peux faire ça. Attends, mais est-ce que t'es pas obligé de faire ça pour les avoir toutes? Ou alors si tu fais ça, ils tombent. Ouais, voilà. Si tu fais ça, tu les as pas toutes. Tourbillonner. Attends, est-ce que tu peux glisser dans celui-là? Ah, you cannot slide, hein.
Ok. Bulbaga. On peut pas écraser. D'accord. Oh, one up. C'est quoi ça? Y'a pas de double jump? Y'a pas de double... Oh, there's no double jump. Peut-être que plus tard alors. Ah, c'est peut-être le 1, oh là. Peut-être que le 1, y'a rien, genre. Y'a ni le... Waouh. J'ai oublié qu'on pouvait faire ça. Nice. Houdega. Donc la perspective va nous mindfuck. Quoi? Ouais, donc c'est ce que je disais. La perspective, ça va être le problème, je crois. Non! Je fais la même. C'est bien, sale re. Wow, yeah. Perspective, dude. Mais... What the? Non, mais j'ai le truc, c'est bon. Vous inquiétez pas. Bien. Ah ouais. Wow. What a skill. Y'a pas un côté genre où y'a des trucs et l'autre y'en a pas. Ça fait... C'est un peu laggy. C'est marrant, hein. Ah, one up when you reach the 100 pommes. Apples. I'm sure there is a... What the fuck is that? Oh, interesting. Ok, I just needed to do this. If it's like the Crash Bandicoot 2, you have to do all the... you have to get all the boxes. To get some extra thing. I don't know what it is again. Ah, et c'est ça qu'il faut faire. Non! Mourir deux fois dans le niveau 1. T'inquiète. Je me fais au contrôle, ça va le faire vite. Et c'est pas si facile, hein. Déjà, je joue jamais à la manette, moi. Not easy. Mais oui, du coup, c'est vrai que j'ai des putains de vie. Ouais. Il y en a deux là? Dis-moi qu'il y en a deux là. Nice! 49. Oui, voilà. Parce que tu peux finir les niveaux sans les diamants, tu vois. Moi, un jour, j'ai envie de les faire à 100%, tu vois ce que je veux dire. Da-da-da. Merci Nico Kawaii, voilà. Quelqu'un qui comprend. Oui, ça fait noob, je suis d'accord. Ça fait complètement connard de se louper sur je sais pas combien de fois sur le premier niveau. On est d'accord. Salut Artic, quand tu vas voir Artic. Ok, so. Il y a une anque. Il y a une anque. Là, on a eu le diamant. Je sais pas ce que c'est l'anque. On verra. Ah, c'est... Alors, sur le 2, il y a faire tout avec toutes les caisses et faire le niveau sans rien toucher, je crois. Sans toucher aucune caisse. Je crois qu'il y a un truc comme ça aussi. C'est peut-être ça. Je sais pas. Je vais peut-être pas le faire à chaque fois le diamant, je le ferai peut-être plus tard.
t'es le putois. C'est joli en tout cas. Haha. Ils sont cons. Bonjour madame. Ah, I got a girl. Nice. I looted a girlfriend. Ah d'accord, il y a un truc à faire avec ça. Ça, ça je te fais. Peut-être ne rien toucher justement, c'est là l'idée. Strike. Alors attends. Ah oui, il y a un truc comme ça. Eh, hey, et là y a pas les bons réflexes qui reviennent, bon. Hein? Bon. Ça va revenir. Je sais que j'ai l'air un peu handicapé pour l'instant. Ah! Oh, Honey Girl! C'est quoi ça? Waouh! Bonus! C'est timé ou pas? Bonjour madame. Je sais que c'est pas ma petite copine, mais j'ai envie de croire que c'est ma petite copine parce que ma petite copine me manque. Alors du coup j'ai besoin d'affection. Ah. Tu me diras, je pourrais avoir de l'affection avec ma soeur aussi, mais... Oh non, j'en ai loupé 3. C'est lesquelles? On les a pas vues celles-là. Il y en avait des cachés. Allô? Ok, on va faire le 100, on fera 100% plus tard. Mais tu as raté 3 battes. Ah. C'est super! Mais t'es nul! J'aime bien ce jeu. Au-dessus du mur de caisse. Ah, bien vu, Arsol. Peut-être pas. Je saurai pour la prochaine fois. La 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 la. Saute dessus, non idiot. Comment ça saute dessus? Ah oui, ça! Ah mais non, c'est bon. J'ai pas joué 1, c'était comme ça ou dans le 1, c'était les mêmes niveaux. Ferme là. Oui, c'est bizarre, ça glisse. Et c'est tous les mêmes niveaux, d'accord. Cool. Ah oh, mais c'est métal, comme dirait l'autre. Des one up. On dirait Super Meat Boy où genre tu vas chercher ta bandage girl et la bandage girl se fait skidnapper au dernier moment. Stylé. Je vais baisser un petit peu le son. Ah non. Il en manque. Okay, en fait ils sont super courts les niveaux.
Je suis sûr on peut aller à gauche. Je suis sûr qu'il y a un truc pour aller à gauche. Ou pas d'ailleurs. Oh le dieu, il se fait humilier. Il se fait humilier par des boss et tout. Ah la putain, la victime. Le pauvre. Le jeu qu'il a l'air un peu handicapé, ça se voit hein. Ça se voit dans son regard un peu... un peu fripon. Mais attendez, là genre c'est... je finis tous les petits machins, le jeu il est fini ? Il était court ce jeu là, le 1 ou pas ? J'aurais kiffé compter les morts mais je suis pas là depuis le début. Ah, c'est, j'avoue, on aurait pu faire un truc comme ça. Je suis mort 4 fois, 3 fois déjà. 3 fois on dit ? 4 fois. Allez, si tu veux, allez, 4 fois. Sur le premier niveau. Mais je suis pas sûr de non, peut-être. Ouais. Ah ouais, donc ça ouais, c'était comme les j'aime pas du tout, on voit rien. Mais ça me stresse de pas pouvoir glisser de saut. Ah oui, mais d'accord, c'est ça. C'est juste pour te... Facile. Ne fais plus jamais ça. Ah, il y a plusieurs îles. Ah, quand même. Oui, c'est ça, il y a plusieurs mondes. Ok, je me souviens plus du 3, la gueule des menus. Enfin, des menus, tu sais, des menus où il y a tous les mondes, etc. Je me souviens très bien du 2, où t'as plusieurs étages comme ça. Tu montes avec le truc central, une sorte d'élévateur central, etc. Ça, je me souviens bien. Upstream. Allez, 4. Pareil que le 2 et le 3. Un peu pareil. Le 2 et le 3, c'est un peu pareil. Alors, attends. Déjà, c'est quel côté ? Après, il y a des petits secrets et tout, c'est pour ça que je prends mon temps parfois parce que je sais qu'il y avait des secrets dans le 2. Genre des trucs de nitro qui étaient pas des trucs de nitro, et en fait, tu pouvais marcher dessus et ça, je me souviens très bien. Je me suis. Alors, j'avais trouvé les derniers mondes où il me restait des secrets, etc. Je les avais trouvés le jour du 11 septembre. C'est pour ça que je m'en souviens bien. Du 11 septembre 2001, vous savez. Et putain, ça recommence à remonter, hein. Si je fais ça... Ah ouais, voilà. Ouh, le gars. Donc là, il doit y avoir encore un truc avec un... Bonjour madame. Je sais plus comment ça s'appelle. Crashy ? Blondie ? Coco ! Ah ! Coco Bandicoot ! C'est la question quoi. C'est la question oui. Mesdames et messieurs, c'est la question coquine. C'est quoi ça? Ah mais c'était le TP. Bah je sais pas où je les ai loupés les autres. Je crois que j'ai tout pris, hein. That's candy, not Coco. Coco is a sister. Oh, so this is not cool. Oh, so this is the real girlfriend. We can bang this one. Nice. Cause she's hot. She's hot for a bandicoot, I mean.
I'm not a bandicoot, hein. I don't want to make love with her, hein. It's a personnage, hein. It's a caractère, hein. It's a role-playing game, hein. I'm not attracted to this woman, hein. Fake girlfriend. Dick. J'avoue, regardez les furies. Toi, tu sais ce que c'est déjà. Papou, papou. Papou, papou. Ogola. So this is the boss. Cool. Papu, papu. Papuche, papuche. Papu. Oh, woman, the queen. Ah. On lui voit l'arrêt, c'est dégueulasse, madame. Ah, puce. Ah, ça wobble en plus. Ah. Ah d'accord, faut rester dessus. Papou papou, cachez votre trait, monsieur, que je ne saurais voir. Waouh. Kamaï. Quel boss difficile. Ah là, putain, j'ai un peu sué justement de l'arrêt là, je pense que c'était assez raccord d'ailleurs. C'est sur quelle chaîne le France machin là, le Russie bidule. Je vais regarder quand même. Plus vite fait. Parce que j'aimerais bien qu'on joue contre la Croatie. Parce qu'on va. Bien sûr on va niquer la Belgique, hein, on est d'accord. Sauvegarder chargé. Ah, je veux sauvegarder. Bon, mais y'a pas besoin en fait. Rolling Stones. Ou machine temporelle de Coco. Ah non, c'est Coco. Ah oui. Ah yeah. Oui, oui, rien à voir. Yeah. She's not hot. But Candy. Yeah. Là, elle fait vraiment nerd. C'est bon, ça c'est notre copine ça. Enfin, c'est pas ça, c'est notre soeur. Je veux dire. L'autre, c'est vraiment notre copine. C'est ça qui nous. Qu'on doit sauver des griffes de Dr. Cortex. Rolex. Attends. Boule au bugger. Le mouvement perpétuel. Hein. Les papous là, ils avaient inventé le mouvement perpétuel bien avant tout le monde. Oh, il y en avait une au-dessus. Hein? J'ai chopé une tête de moche. 5. Docteur Néocortex. Ah oui. Oui, t'as raison, et avec le N dessus sur la tête. Oh, j'ai chopé une tête de moche. Comment il s'appelle le méchant? Et ma tête de moche. Boulebuga. Ah putain, c'est trop, je me suis fait avoir. Ah. Ok. Non. Fallait pas. Ah bah y a un truc au-dessus, c'est bien ce qui me semblait. Quel waste. What a waste. Sur flèche du haut. Comment ça, flèche du haut? Je joue pas avec les flèches, moi. Tu me racontes. Ok. Non. Je peux aller le chercher, tu crois?
Oui, bah, largement. Quelle détente, quelle détente, c'est incroyable. Bah ah là. La bimbo, quoi. La bimbo biloba. C'est Neobrio, la tête de moche. Neobrio. Waouh. Le gars sur Skygun. Il sait tout. Alors, faudra qu'on m'explique. Hein. Ça se casse la gueule. Ah oui, il en faut 3 aussi. Là. 2. Peut-être qu'il y en a une après et qu'il va falloir revenir. J'en venir la connerie comme ça. Tu paries? Ah ouais, on est loin. Ah ouais, on a dû louper toute une phase. Waouh. La victimisation. Oh là là, oui, d'accord. Oui. Bonne quiche, Guidori. Wow. Fun. Ouh. Yeah. Hi-ha. Stylé. Nice. Non, not nice. Il m'a fait un petit jeu de jambes. 6. 6. 6 morts. Mais putain, comment tu veux passer là en vrai si tu veux choper toutes les caisses? C'est pas possible. Donc là tu peux passer vraiment sur le teco. Ok. Pas de problème avec ça. C'est pas... Oh ouais, alors là d'accord, on passe complètement à travers le mec et là on... Ah, c'est... Wow. Quel village magnifique. Ouais, on est à 6, ouais. Oui, t'en as sûrement loupé une mort, ouais. Tout à l'heure. Attends, mais attends, 19% terminé de tout le jeu? Les îles Wumpa. Ah oui, c'était pas les mêmes îles? C'est pas les mêmes îles, ça? C'est 19% du premier jeu? Ça va vite, hein. Damn! Oh là, ce début, bah très bien. Écoute, je trouve ça plutôt cool. Ça m'avait manqué ce jeu quand même. Ouga. Oup. Ça avait grave manqué, ouais. Kenny. Lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop. Ah oui, quand même. Ça fait sauter de ouf ce truc. Ah ouais, non. Ouais, là ça par contre, en fait, faut y aller direct. Ça marche, mais faut y aller direct. 7! 7 morts. 8 morts! Ah, j'ai oublié cette mort, stylé.
petit bâtard. Ah, je... Oh là là. Gros freeze. Oh bah... Oh la hitbox dégueulasse mon gars. Ok, je le saurai. 9. Sale. D'accord, je saurai. Non mais je saurai. Voilà. Oh le cul. Candy. C'est un peu, ouais, c'est un peu comme Daisy, un peu de Bugs Bunny, finalement. Ah, la petite caisse cachée. Hey, Mosin. Anyone have Discord? And a name? Yeah. Can you see the thing on the right? The right sign with my Twitter. There's the, also the Discord and the YouTube and the yeah, everything. How is it hanging, Mosin? Hope you're doing good. Oh, aku aku. C'est bon, il tient le coup. Je veux le à coup à coup. Ah ouais, d'accord, faut le faire, ouais, faut faire du premier coup. Putain, c'est chiant ça. Ok. Mais toi, ok. Où le bugger? Non! Je l'avais! Où le bugger? Où le bugger? C'est ce que vous dites en regardant ce stream. Où le bugger? C'est vrai que. Vous pouvez vous dire ça. Où le bugger? Où le bugger? Oh yeah! Salut Dark Collier! Bienvenue à toi! Dark Collier? Je ne sais pas. Dans le cul. Quoi? J'ai touché quoi là, madame? C'est injuste. J'ai rien touché? On va peut-être un bout de pique. Peut-être un tout petit bout de pique sur le cul. Ah, le checkpoint. Où est le checkpoint? Point de contrôle. En vrai, point de contrôle, ça ne veut rien dire. En français, on est d'accord. Ah, c'est un point de contrôle. C'est-à-dire, c'est un truc qui a été... Ce nom, point de contrôle, n'a aucun sens, en fait. Nous, on a l'habitude, en fait. Parce que, voilà, c'est la traduction littérale, checkpoint. Mais en vrai... On est d'accord que ça veut rien dire, en fait. Point de contrôle. C'est-à-dire, c'est pas speedy, Là, tu fais pas un contrôle technique. Oh non. Eh d'accord, faut faire un boing 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 sans max jump. Combien d'articles? J'ai pas compté. 10. Je crois que c'est la 10. Roulette. C'est quoi ce truc avec roulette là, les copains? C'est peut-être pas le premier à le faire. C'est quoi cette histoire de point d'exclamation roulette là? 10-2 en très peu de temps. Et c'est la 11ème. Quel rythme tribal endiablé.
J'ai vraiment pas envie de tester. J'y vais tranquille parce que je pense que. Alors. Mais what? T'as pas le temps, ouais. Le jeu, il a pas le temps. Moi aussi, j'ai pas le temps. Perforation anale. Bonne soirée, Neko Kawaii. Merci d'être passé. Neko Kawaii. Onegashimasu. Commence pas, je... C'est bullshit, ça. Ah, j'avais un coup, là, tout de suite. Putain, merde. Ah, je vais attendre. Alors, attends. Attends. Si tu veux la gemme rouge, tu peux tout décaisser. Attention au spoil, parce que attention au spoil. Attention au spoil. Ça veut dire pareil, non? Bah, checkpoint... Ouais. C'est un jeu de Wisebot? Ah ouais, quand tu meurs trop, il te fait un coup, d'accord. Ouais. Alors attends, par contre... Ah oui, je vois. D'accord, bien vu. Ah d'accord. Bravo. Fallait le voir, effectivement. Bien vu. Ah ouais. Ah oui, donc c'était prévu qu'on crève un paquet de fois quand même, sinon il finirait pas autant de vie, clairement. Ouais, on en a encore loupé pas mal, mais j'ai encore vu, ouais. On verra. C'est un gros, soit tu es mort, soit t'es en vie. Quoi? C'est pas une roulette russe, genre tu fais roulette et ça te dit si t'as pas pris la balle, donc si t'as rien et si t'as pris, t'es Théo. Ah! D'accord. Super jeu. Excellent. Attends, mais moi si j'y joue, ça veut dire que je peux m'auto-timeout? C'est aussi con que ça? Nelly Fortress. Ah voilà, la deuxième île. D'accord. Ok. Ça reste à peu près dans le même délire par contre. J'ai un peu soif déjà, il va falloir que je fasse un refill de flotte. Le but russe incroyable! Merde. Je suis sûr qu'il y a des trucs là, genre derrière. Ça me fait plaisir. Oh le beau gars! Ça c'est vraiment bien. Ah, Pyrenees. Les murlocs. Ça vient de là en fait, les murlocs. Ils ont rien inventé, bizarre. Mais. What? De toute façon, il y a plein de... Je sais qu'il y a plein de passages secrets, en tout cas dans le 2, il y en avait plein, et je m'en souviens de pas mal.
Par contre, dans le 1, vu que je l'ai jamais fait, je peux pas connaître à l'avance, on est d'accord. Ok, je le referai à 100%. Je commencerai peut-être pas le 100% par le premier crash, par contre. Je commencerai peut-être sur le deuxième, justement, vu que je m'en souviens à peu près. Voilà, attends. Fort bien. Alors 16, on va faire un truc avec les nombres de morts. Ce serait rigolo de faire un truc en fonction du nombre de morts. Qu'est-ce que je pourrais faire? Moi je vous paye? Non. Vous me payez suivant le nombre de morts? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça passe sans sauter, très bien. Ça fait quoi ça déjà? Ah, il faut revenir derrière. C'est pareil qu'il faut revenir derrière. Je teste. Ouais, c'est ça. D'accord. On fait ça. Mais quel jeu de merde! Mais non, mais jeu de con! Mais... Toutes les 20 morts en sub gratos sur ta chaîne. C'est-à-dire... Moi je crois que je peux pas gifter des subs, hein, moi-même. Tu penses bien que sinon je le ferais? Ça aurait aucun sens. Je m'offrirais 14 000 subs, tu sais. Au pire, je suis un peu perdant, mais... Attends, il faut que je... Mais je suis con! Ah, ça me saoule. Putain. Coucou, hamster magnifique. Hamster. Ton univers, putain. 100%, mais du coup, tu payes. Eh oui. Non. Je dis non. J'ai déjà payé le jeu. Vous êtes un peu dur quand même. C'est moi qui souffre, c'est pas vous. À quoi ça sert du coup d'avoir mis les trucs en bas? Attends, il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que je peux descendre là-dessus? Je peux plus remonter maintenant. Ah si. D'accord, ok. Grosse ambiance, c'est tout. Je suis sûr en fait on peut revenir jusqu'au début du niveau. Il y a des trucs depuis le début du niveau. C'est sûr et certain. Mais merde. On saura. Mon futur un présent. Mon chemin face au vent. Ça a failli être la grosse déception là. Ah, c'est ta faute si tu pues à crash, d'accord. Merde, il y avait un conseil, mais ça avait l'air intéressant. J'ai pas eu le temps de le lire du coup. Oui! Oh yes! Y'a pas besoin de se faire chier plus. Nice!
On fait tous le roulette quand tu meurs. Non, c'est pas drôle si vous parlez plus. Salut Zach, j'avais pas vu. T'es nul un peu. Toutes les 20 morts, un sub gratos sur ta chaîne. Mais moi je veux bien, mais faut que quelqu'un les offre. Hein. Non, mais sinon y a un autre truc à faire. Non, je sais pas. Tous les 20, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh là, ça tire des maillots, ça tire des maillots! Ripperoo! C'est un boss! À 100 morts cumulés sur tout. Mais pourquoi j'ai envie? T'es relou, j'ai pas envie de te voir en vrai! Je traverse la botte, la box. J'ai traversé la box, mon gars. Oh, je sens qu'il va me gaver, ce boss. Il fait toujours le même trajet. Oh, ça va être nul. Oh, ça va être nul de ouf. Il fait toujours le même trajet au départ. Il fait ça. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais... Il fait toujours le même trajet. Ouais, meurs dans un putain de feu. Mais quel enculé! Oh, c'est chiant! Oh, quel boss de merde! Oh, je sens que je vais en avoir marre! Allez, explose! Et il fait toujours le même parcours. Mais non. Mais pourquoi il met trois plombes à péter le caisson? Ok, mais d'accord, il fait toujours le même... Ah d'accord. Bon, c'est le truc à savoir. Il suffit de bien timer, quoi. Genre là... Allez! Mais explose! Ça va être chiant. Mais ok, on a compris. Là, faut le faire maintenant. Non, trop tard encore. Si, c'est bon. Ok, va crever. Alors, il fait quoi maintenant? Ok, il fait ça. Il fait un losange. Ok, fais le losange. Fais le losange, enculé, vas-y, viens. Allez, viens. Ça s'appelle un pattern. Merci, Captain Obvious. Moi, je pensais qu'il était vraiment random au départ, ça aurait été compliqué. Alerte faute. Égalisation de la Croatie. Nice.
Là, c'est, je regarde le match à côté, mais j'entends ni. On s'en fout. De toute façon, je vois même pas ce qui se passe. Ouais. J'ai la télé, mais je la vois pas, elle est trop, trop sur le côté. Bref. Ah, il y a une émeraude là à récupérer sur Velocity. C'est plus un. Ça doit être un passage, pro... un passage secret. Peut-être. C'est bien ça, moi je suis pour la Croatie. Ça prouvera que du coup si les Russes perdent. Ça prouvera que c'était pas truqué, tu vois. Moi j'ai fait pour le passer la première fois, c'était la chatte. Ah, ouais. Alors pourquoi je le fais, j'arrive à le passer dans un sens et pas dans l'autre? Parce que je suis un connard. Oh le beau gars. Perspective dans ce jeu, c'est pas ouf. Hein. Je croyais qu'il allait monter. Oh le bugger. Quoi sert le tremplin en dessous? Il y a une caisse tremplin et je vois pas à quoi ça sert. Oh, quel emmerde. Quel emmerdement. Oh, ça va être chiant ça. Ah merde. Fallait utiliser la caisse, enculaï. Enculard. Je fais quoi, je meurs? Ouais, de toute façon, je jouerai pas les autres. Ok, ok, quasiment. C'est le pays des chauves-souris. J'ai pas peur de vous, moi. Hey, je savais pas que ça fonctionnait en mode train, un petit peu, les chauves-souris. C'est les petits trains. Voilà, fallait que j'utilise ça pour pouvoir... Je le saurais. Ah, j'avais pas vu la petite boîte. La petite boîte à gauche. Ça fait quoi? J'ai pas envie de redescendre. Mais bon, je le fais quand même parce que du coup, j'aime souffrir. Ça fait quoi? C'est pour après ou pour avant? Non, non, c'est pas pour avant, je pense. Bon, alors si c'est pour avant, c'est tendu quand même. Ah, c'était relou de pas pouvoir glisser en V. Je suis content de pas avoir connu Crash Bandicoot 1. Ah, mais. Bah, elle est passée où la détente, monsieur Crash? Donc, ça, c'est classique ça. Ouais. Oh, c'était tricky ça. Enculard.
Ah non, mais je sais pas s'il y a des trucs louches, mais moi je me dis je suis un complotiste, moi. Non mais je sais pas, tu sais. Justement, au moins s'il gagne pas, au moins c'est clair. Ah, ça va être rigolo ça. Ah, ce passage. Oh, ça va être rigolo. Oh, je sens qu'on va se marrer. Ah, d'accord. Oui, pareil, il y a un pattern chelou. Genre, c'est pas celui-là. Ah, c'était celui-là. Oh là là, c'est long. Oh là. Ils font pas rien, hein. Enfin, c'est... Ah, merde, fallait s'en servir. Ah, ça commence à se corser au niveau des la récupération de caisse, je pense. Mais là, ça va pareil, ça va pas être très rigolo. On peut même plus aller voir Coco. Coco Candy, Candy Coco. Non ! Oh non, pas là ! Oh non, pas ! Attends, j'ai envie de tester un truc. C'est pas grave, ça marche quand même. Ah, mais putain, ça fait ça! Waouh! 99, c'est un complot, mais peut-être, hein? Peut-être, hein? Skagen. Mais c'est fou quand même! Qu'un pays s'en sorte vachement mieux juste parce que c'est dans son pays qu'il organise la Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas comment c'est. Alors, sur quel. Qu'est-ce qui ferait gagner plus un pays parce que juste. Ils ont plus la pression, parce que justement ils ont moins de pression, parce qu'il y a tout le peuple qui est là. Est-ce que ça suffit? Genre, est-ce que c'est parce que, par exemple... Mais... Oh la vache! Mais comment tu fais en vrai? Faut se mettre du côté droit? Ça y a... Non. Mais what? Putain, c'est chaud, attends. Non. Oh le beau gars, ouais. Est-ce que par exemple, ils ont moins de déplacements à faire aussi? Genre, ils sont déjà dans leur pays, donc ils ont pas les décalages horaires, ils sont plus frais, je veux dire. Est-ce que c'est... Y'a ça aussi? Bref. Mais putain, je sais pas comment on passe. Je suis vraiment si nul que ça. La réponse est oui! Mais non, mais... Mais pourquoi? Ça a pas l'air compliqué en plus! Genre ça, la première partie, elle a vachement plus compliquée. Oui, mais là j'ai joué à une main. J'étais en train de reculer. Espèce de nulos, merci. Merci, ça fait plaisir. Insultez-moi encore, j'adore ça. Merci. Rappelez-vous, c'est toujours plus facile, hein, de jouer chez soi. Sans des personnes que j'apprécie énormément. Et putain, mais en vrai, c'est un truc de ouf. Ah oui, je joue comme ça. Ah bah oui, mais c'était facile. Merci. Mais c'est quoi cette... Là, je lâche prise. Je sens que je suis plus solide sur mes appuis là. Mes appuis psychologiques. Voilà, belle récupération, joli save. L'autre là qui pump, tu sais pas comment. C'est un savon, machin. Le lézard savon.
Oh, c'est facile en fait. Ah oui, d'accord. Le jeu, au bout d'un moment, il dit ouais, attends, je te mets un checkpoint parce que t'es vraiment qu'une merde. Ah ouais. Salut Vidéo Gamer Fan. Oh bah putain. Si tu es fan de jeux vidéo, tu tombes bien. Regarde comment je respecte le jeu vidéo. Mais putain, nique-toi. Mais nique-toi. Mais va te faire écraser par va jouer sur l'autoroute. Michel là, putain, il a pris la confiance là, le lézard de merde. Oh là là, j'y crois pas. Ouais, bravo. Merci. Hein. Putain, 22 caisses, waouh. Ça sent l'angoisse sur le légendaire niveau du pont. On verra, on verra. Non, en vrai, Crash Bandicoot. Moi, je me souvenais pas qu'il était aussi pourri au niveau de la perspective. Sur le 2 et le 3, j'avais pas l'impression de galérer autant. Je crois. Après, j'étais jeune, j'y arrivais beaucoup trop bien. C'est genre, vraiment la chance du débutant, c'est quand t'es gamin et que tu finis les jeux, genre comme ça. Genre, tu réfléchis pas et tu finis le truc justement parce qu'il faut peut-être pas réfléchir parfois. Ah, mais c'était facile! Tu arrives dans les niveaux relous. En même temps, j'ai l'impression qu'il est assez court, hein. Non? Il te manque des caisses? Suis la piste des fruits Wumpa. Ah! Les fruits Wumpa. Attends, elles sont où? Oh le beau gars! Tu vois la perspective? Je sais pas du tout. On dirait qu'elles sont derrière les. Qu'elles sont derrière les lances. Enfin, qu'elles sont plus au fond du truc. Alors qu'en fait, non, elles sont devant. Merde. Ah oui, d'accord. J'ai fait exprès de... Genre, tu vois là, j'étais sûr qu'elle était devant moi la plateforme. En fait, non, il y a un trou. Et là, je voulais tester, voir s'il y avait des trucs à taper au-dessus. Là. En tuant pas le serpent, justement. En lui sautant dessus, plutôt que en l'envoyant en valdinguer. Dans les cases. Ah, je pensais qu'elles étaient vachement plus loin que ça. L'appréciation et distance dans ce jeu de ses mains. Bien sûr, c'est la faute à la perspective, mais franchement, ouais, c'est pas évident. Genre là, typiquement, je pensais qu'elle était au-dessus de la plaque. La plaque avec le soleil, là. Ça, là. Je pensais pas qu'elle était, genre, au fond. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Mais je suis... Parce que je suis en handicapé, peut-être. Mais, et que je trouve des excuses de sac, à tout va. Et là, elle est sur la plaque. Là, je suis mauvais. Là, oui. Là, tu peux dire que je suis mauvais. Je vous donne du boulot. Pour compter les morts, attends. Franchement, je sais pas où sont les trucs là. Ça me stresse vraiment trop. C'était prévu ça ou c'était. Ou c'était un niveau bonus? Oh le beau gars.
Donc par exemple là, il doit y avoir un truc sur la gauche. Parce qu'il a dit, il faut suivre les fruits ou pas. Saute dans le vide pour suivre les fruits. Si tu sais pas quoi faire. Oh, le pénitent le passe. Le pénitent le passe. Effectivement. Grosse frayeur de la part du joueur français. Hein. Grosse frayeur. Du coup, c'est quoi? C'est déjà la mi-temps là? Ah, allô? Ah! Mais what? Pourquoi je bouge aussi vite? Ah, d'accord. Oh là là, c'était juste. Ah! Ok, je sais, c'est pas grave. Je sais ce que vous dites. Ta sœur est un beau. Oh le beau gars. Ouais, bien sûr. Kanokoloku manicu. Quoi? Pourquoi tu pars? Me faire tricky par les. Ah putain, hé. Hey. En vrai, c'est pas le truc le plus hardcore. En vrai, ça se trouve, il y en a d'autres devant. Juste, j'ai pas marché dessus. Oh là là. C'est vraiment ça, faut avoir la confiance, quoi. Mais attends. Oh putain! Mais ça se trouve, il y en a d'autres là, plus en avant. Mais je sais pas, sinon je tombe dans le vide. Bon, je testerai un autre jour. C'est fou. Ah, je compte les morts en hawaïen. Ah, mais c'est Hawaï, c'est ça. Ouh! Brasil! Oh putain. Ah oui, merde, il faut que je vienne en avant. Ah, il y en a d'autres, faut venir vers l'écran pour avoir d'autres caisses. J'ai envie de te dire non, je. Putain, non, c'est ça qu'il faut faire. Oh shit. Ok. Ouais, toi dégage. Merci quand même. Oui, je suis perdu dans la grotte. Ah, un petit checkpoint. Oh, il y a beaucoup de choses ici. Il se passe beaucoup de choses par ici. Je vais rusher. Je pense que je vais rusher. En vrai, je vais rusher. C'est beaucoup plus fun. Kanakoloku Kamawaya. De merde. Bon stream, bonne soirée à toi Genesis, merci d'être passé sur le stream justement. Mais très sale. J'essaie de passer beaucoup trop tôt ici. Attends. Le problème c'est qu'il y a les putains de pommes là, je vois pas mon ombre pour savoir si je suis dessus ou pas. Ok, celle-là elle bouge pas. Celle-là elle bouge pas, celle-là elle bouge. Celle-là voilà. Voilà. 41 déjà. Ouf. Hein. Mais genre genre, il glisse dessus. Il est dessus, puis non, ils disent non.
c'est vraiment contrôle hasardeux. Vivement le Crash Bandicoot 2. Putain, c'était vraiment là. Oh, il en manque une. Tu parais que c'est celle. Tu parais que c'est celle quand on marchait, il fallait marcher au pif dessus. Tu parais que c'est celle-là. Genre, il en manquait une, genre. Oh, JPP. Quel jeu de merde. Je l'adore. Hein. Je l'adore, mais quel jeu de merde. Des bisous Samada aussi. Putain, il en manquait une. Non. Il en manquait une. Évidemment que c'était celle-là, mais ouais. Je pensais pas, je pensais qu'on avait pas aussi bien réussi au niveau des cages. Je pensais qu'on était large, qu'on avait loupé 14 000 trucs et tout. Bon, je vais la refaire plus tard. Ah, c'est celui-là le niveau du pont. Ils ok, ils ok. Regardez, je vais passer du premier coup. Sans aucun doute. Et je vais absolument pas rager. Promis. Du premier coup il tombe, c'est ce que j'ai dit. Oh le beau gars. Je savais pas la gueule de le truc derrière. Ok. Ok, grosse ambiance. C'est quoi le truc bleu? Oh. D'accord. Faut voir qu'elles sont en train de glisser vers l'avant, hein. Faut le voir. C'est bon. I got it, dude. Mais nique-toi. On peut pas lui rouler dessus. Mais dis que ta mère un peu là. Pardon. Ah, je l'avais esquive du premier coup et puis. Allez viens. Un petit bâtard. J'ai pas peur de toi moi. Ouais, j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est bon ça. Merde, il va peut-être revenir. Attends. Je préfère mon malin quand même. Non là il peut pas revenir. Wouh. Ah, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Ok, c'est bon. Non. Oh. Ah, tricky. Oh, c'est... Ok. Pumba sur le pont, j'avoue, qu'est-ce qui branle là? Qu'est-ce qu'un facochère, un putain de facochère fout ici? Y'a rien à bouffer ici, mec. Tu t'es complètement planté. Retourne chez toi, Serge. Serge le faco. J'étais dessus. Oh, les hitbox, elles sont dégueulasses, mec. Ça se voit, des fois, il est dans le vide. Parfois, je suis dessus. Ah, c'est chelou. Shitty CDLC, right? Ouais. Ah mais pardon. Excusez-moi. Je pensais pas que j'avais affaire à un facochère qui peut, genre, marcher sur le vide. Aucun problème. Je ne savais pas. Du coup, je l'ignorais. Je respecte. Y a pas de problème. Je respecte le dieu du facochère. Hein. Ça, c'est une preuve de respect dans mon pays, en Hawaï. Genre, moi je me dis, c'est bon, il y a un trou. Il peut pas sauter, le machin.
Mais oui, mais non, ça marche pas comme ça. Putain, j'y crois pas, quoi. Invraisemblable. Tiens, viens. Viens là, viens là. Je te pisse au cul, quoi. Putain, regarde cette tête, on dirait un chien, quoi. Depuis quand les facochères, ça, cette gueule-là? Depuis quand ça tire la langue comme ça? Ça tire ça pas de langue. Ok, moi j'ai mon cousin, il est facochère, d'accord? Je le sais, ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, ben, nique ta soeur, hein. Tu nique bien ta soeur. Mais ouais, je te passe au-dessus, j'ai passé au-dessus. Balance ton porc. Ah, mais alors lui, je vais le balancer du haut du pont, du porc, le pont de porc, le porc du pont. Putain, regarde comment je passe en plus ton truc de merde là. Il y a vraiment juste le facochère qui m'emmerde en fait. Ça. Ton pont là, avec essaye de triquiter là. Le tricouose. Putain, oui, oui mon gars. C'est Moumounigan. Moumounigan mon gars. Je sais pas comment j'ai fait, hein. Alors là je crois que je suis passé sur la corde à linge. Alors je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Bon, on est plus à ça près. Ouais. Je sais pas ce que. Ah oui d'accord. Je me fais juste entuber comme ça, d'accord. Pas de soucis. Je peux passer le pont sur les cordes. Apparemment, je suis tombé dessus en tout cas, ça m'a aidé à survivre. Je crois. Et là voilà, maintenant je suis plus du tout chaud pour faire ça. Je suis trouvé pour ces conneries. Allez, dégage pas. Ah merde, non. Attends. Oh, fallait s'en servir. Oh non. Oh non. Ah putain, c'était un checkpoint, il y avait un checkpoint en dessous. Thank God. Mais elle va dans le vide! Pourquoi moi je peux pas faire pareil? Elle fout ses deux pattes dans le vide et elle se retourne! Alors regarde ça, regarde, elle est dans le vide là! Elle est dans le vide, c'est n'importe quoi ce niveau, c'est n'importe quoi! Oh les animaux dans le vide! Jeu de merde. Fallait aller tout droit. Fallait aller tout droit, il y avait d'autres caisses. J'ai compris à la fin. Si tu vas tout droit, tu reviens. Je crois qu'il fallait sauter au-dessus du truc de fin. Il y avait des petites pommes qui indiquaient que, la baiserie n'était pas finie. Fallait continuer comme ça. Ça c'est le Crash Bandicoot. Il se déplace comme ça, de manière... inopiné. Salut Digo, comment tu vas Naibaku? Naibaku. Boule d'or d'arche. C'est toi le boulet, ok. Déjà 52 morts quand même. Bah, excuse-moi d'avoir des doigts, hein. Excuse-moi d'avoir des doigts. Quand vous me demandez du Gojira, j'adore ça, pourtant je vous fais plein de doigts, hein. Vous dites jamais rien. Ok. Plus beaucoup de vie. Attends, il se passe quoi quand t'as plus de vie par contre? C'est la fin du jeu? Je crois que ça m'est jamais arrivé. J'ai pas bien souvenir. Mais pourquoi? C'est, je suis au max du saut, je fais la même chose depuis tout à l'heure et ça passe pas. Je suis au max, j'attends le dernier moment. Mais what? C'est le même saut depuis tout à l'heure. Là.
Là, mais voilà, c'était celui-là, c'était aussi simple que ça. Pourquoi ça marchait pas? Oh, damn, hein. Mais non, avance! Ah putain, le con, il a pas avancé. Enfin, non, c'est moi, je veux dire, c'est moi le con, là. Mais quand même, pourquoi j'ai pas avancé? Voilà, hop, là, esquive. Ah, je jump. Ah, ouais, t'es proche quand même. C'est bon, ça passe le checkpoint comme ça. Oh, ça va. Ça fait quoi, 3 tonnes? Ça va. Ouais, vivement le 2, vivement le 2. Agent du coup 2. Ah. Mais je suis max speed, elle va m'arriver dessus, elle va m'arriver dessus. Non. Oh. Mais il y a des niveaux comme ça dans le 2, hein. Ça je me souviens très bien. Il y a un niveau avec un Yeti je crois aussi. Oh, bon. Sur 35. Ça sent le truc où genre à un moment donné faut laisser passer la boule et refacer dans l'autre sens. Il y avait un niveau comme ça dans Crash Bandicoot 2. En fait t'attends que le scroll il se fasse et après une fois que le truc il est passé, que la boule elle est tombée, hop tu repars dans l'autre sens. Contre-intuitif mais du coup c'est habile pour dissimuler un secret. On est à 55. T'inquiète, on va rester à 55 jusqu'à la fin du jeu là. Les îles Wumpa. Wumpa. Wumpa Loompa. Pourquoi je peux pas aller là? Ah, il y a une clé là. Surtout que je sais pas quoi. J'ai appris à compter de 1 jusqu'à 62 donc ça va être compliqué, hein. Genre là, je suis sûr, il y a peut-être des trucs à gauche, tu vois. Ah! Mais... Non mais là vous foutez... Non, là vous l'avez vu celui-là, vous l'avez vu. Je suis à l'intérieur du truc. Elle passe à l'extérieur les machins là. Les chauves-souris, on est d'accord, on l'a vu pareil celui-là. C'est fou. C'est un truc de dingue. Oh le beau gars. C'est juste con que ça soit du 48 FPS hein. Allez!
J'ai pas de popcorn. Merde. Ah, lui, je sens qu'il va déjà me gaver. Ah non. C'est un truc de ouf, en vrai. Je suis sûr, dans le Crash Bandicoot 2, tu passes exactement la même plateforme, elle passe. De la même façon. Genre là, j'étais un poil en retard. Mais en vrai, ça passait, quoi. La plateforme, là, la hitbox, quoi. Ça va dans la flotte? Je vais mourir? Non, c'est bon. Allez. Ok. Oh, attends. Ça, et après il y a ça. Ah, il y avait un Lobuga là. À quoi coup? Hop là. Là, je sens quand même que c'est pas full FPS en vrai. Là, ça saccade légèrement. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre ce choix d'ailleurs. Est-ce que c'est pour recréer un petit peu l'ambiance d'avant? C'est-à-dire qu'avant, bah, forcément, tu joues sur une télé 60 Hz. En France, wow, en France c'était 60 Hz, oui, non, en France c'était 50 Hz. Rogue Widow Rig, est-ce que t'es bonne cette quicha? Je voulais faire un truc stylé, je voulais passer au-dessus. Allez, mais rentre-toi! Et comment? C'était une quiche à quoi? Une wish Lorraine? Était-ce une wish Lorraine? J'ai vu tellement venir celle-là. Ouais, en fait, faut être patient, quoi. Mais moi, c'est ce que je suis pas, en fait. Ok. Ok, c'est bon. Ça passe. Ça, on attend. Du coup, on retombe. Super. Quoi ce timing dégueu? Ok. Un. J'aurais pu y aller direct, mais j'avais envie de compter, c'était rigolo. Vous avez vu, c'était grand. Et la deuxième avec des morceaux de fromage de chèvre en plus dessus. Nice. Pardon. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Je savais, à l'avance, je savais que j'allais me faire avoir. Mais ça se voyait, hein. Rien. Mais où?
Oh, il y a encore des connasses au-dessus. Oh, le beau gars. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mais celle-là, c'est un fake, non ? Ah, regarde. 1, 2. Oui. Ah oui, il y avait ça, merde. Oh, il y avait ça. Bon, c'est pas grave. Va falloir courir, madame. Mais non, je voulais sauter. Oh, tant pis. Ah bah, parfait. Parfait, parfait, parfait. On recommence depuis le début. Oui, alors, il y a connard, connard man, là. Vas-y, viens. Ici, petit. Eh, hey, petit. Ce que ça fait. Ah, c'est derrière. Je demande d'aller là. Oh, c'est fou. Tant de jeunes perspectives. Pas mal. Pas mal, c'est dingue. C'est dingue, mon gars, c'est dingue. Ah, je vis un truc là. Ah là là. Bon, voilà tout. Tout frétillant de bonheur. Ça chiffre ? Il a dit ça chiffre, il a osé dire ça. Oh, le cortex ! Ah oui ! Ah, oula, d'accord. Oh, le beau gars. Check. Check. Ah. Je veux ma catin. Ma copine. Et là, on peut pas y aller. Alors, en fait, la perspective, c'est quand tu veux, quoi. Là, tu te dis, bon, là, c'est bon, c'est ouvert, on peut y aller. Mais non, en fait, non. Ah, il y en avait un autre de cortex. Oh, tant pis. C'est pas grave. C'est ça ? Il y en avait un autre ? Oh là là, il est vraiment con, hein, cet Aichu. Hein. Ah ouais, mais si, il y a un truc derrière, là. Mais regarde, il y a un truc derrière, donc ça veut dire que je peux y aller. Je peux y aller là. Je peux y... Ah, mais... Et là, ça marche. Quel emmerdement. Oui, donc il en manquera, hein, c'est pas grave. Mais ouais, maintenant que je sais qu'on peut parfois aller dans le fond du décor, bah, je le saurai, quoi. Donc je le sais quoi. Ça paraît logique ou pas ? Attends, je vais peut-être attendre, Allez. Ah oui d'accord, c'est juste que j'étais pas dessus en fait, tout simplement. Mais what ? Allô ? 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Reset or riot ? Nope. Je le ferai plus tard. Va falloir être là sur un autre live. On sera à revenir. Ou à ma télé VOD. Mon plan est ma clavielique. Ah bon. Bah attends, voilà. Ah là, oula. Oh la vautrasse. Oh la vautrasse.
Et je décide de repartir depuis le début parce que bon, on m'a dit reset en Riot, c'est ça? Je recommence depuis le début à chaque fois? Non, c'était pas ça? Oh, je comprends pas toi, hein. Moi je suis un peu con. Hein. Oula, putain, ça va vite. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et là, là, putain, en fait, c'est vraiment, genre. Parfois tu peux, parfois tu peux pas, quoi. Pourquoi je le savais? Je le savais, c'était devant. Oh. 1, 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
Ah, j'avoue, 30 minutes pour un boss, c'est honnête, ouais. Au bout de 30 minutes, je pense que oui, là, je... Ah, ça va plus vite, là. Ah oui. D'accord. Ferme-la ! Encore le dernier. Ah, oh, je le sens pas. Il va falloir... Ouais, je sais ce qu'il va falloir faire. Ah non, c'est bon. Ah non. Je pensais qu'il y aurait eu plus de TNT. Là, ça va le faire. T'es nul. C'est pas fini. Escape Leg Day. Avec ses petites pattes de poulet. On... La petite balayette. Oup. Allez, dégage. Salut, Ballsy. Heavy Machinery. Ah, je regardais, j'ai pas regardé le pourcentage auquel on est du premier là. Je pense qu'il est assez court hein, par rapport aux autres. Je pense, non? Ah, putain, j'étais sûr que c'était dans le 2 ça. Quand je voyais les images, ça c'était dans le trailer, bien sûr. Merci, d'accord. Ça c'était dans les images du trailer. Attends, et y'a quoi ici? Non, y'a rien. C'est joli en tout cas, ça donne envie de voir le 2 et le 3, hein, clairement. Je le répète depuis tout à l'heure, mais... Merde. Oh, il y avait le AQ. C'est pas grave. Bonjour, mademoiselle. On peut passer au-dessus? Non, j'ai pas envie d'essayer, en fait. On peut lui tomber sur la tête, son truc. Toi, dans le 2, tu fais vœu de glissade, tu sautes, quoi. Mais là, c'est chiant. Faire des trucs parfaits, quoi. Des sauts parfaits. C'est sympa, quand même. Manqué d'arriver au 3. Après, le 2 était bien, hein. De... Parce que je me souviens du truc. Allez, dégage, quoi. Merci. Le 2 t'es pas si mal hein. Non. Je me souviens plus du 3. Le 3 m'a vachement moins marqué que le 2, clairement. J'ai passé beaucoup moins de temps dessus. Je crois qu'il était un poil plus casu, je crois. Parce que je crois que j'ai pas autant galéré pour le finir à 100% que ce que j'avais fait. Ce que j'avais galéré pour le 2. Attends. Maintenant que j'ai fait ça, voilà, je vais remonter là, parce que j'ai loupé. Ah, c'est tout. Oh, attends, il y a un truc à gauche, à droite. Attends, comment ça marche? Il y a un truc à droite, c'est sûr. Ah, j'ai trouvé. Non. Attends, je teste. Ah ouais, non, ça marche pas. Je croyais que je pouvais me mettre sur le rebord. Attends, il y a un truc. Il y a un truc quand même. Il y a un truc quand même, je pense. Ou alors ça, c'est quoi ça? Bon, ça, c'est la suite. Ah, il revient pas le machin. Eh oh. J'ai appelé l'ascenseur. Allô. Ascenseur. Ah non, je vais essayer. Voilà, donc je voulais tester de tomber là-dessus et ça marche pas. Salut Rizai. Le 3 c'est plus sympa. Ouais, je me souviens, il y avait des trucs sympas avec des véhicules. Un peu de vapeur, ça a jamais tué personne, enfin. Moi quand j'écoute mes pattes, hein, je m'en prends dans la gueule de la vapeur parfois, c'est bon, je suis pas mort. Ça a l'air fragile hein, les bandicoots hein. Je l'avais pas vu cette fois-ci. Je l'ai pas vu mais je suis sûr on peut passer par au-dessus, il y a un truc au-dessus. Animal de merde. On en est où niveau mort? Alors, on en est où niveau mort? La victime a 28 ans. Elle semble être morte dans son sommeil.
sur les coups de 3h du matin, entre 3h et 4h et demi. La rigidité cadavérique ne permet pas de d'atteler la mort avec précision. Mais putain, mais ça s'active après! J'avais oublié cette merde! C'est bon, speedrun! Allez, c'est bon, fermez-la. Toi, ferme ta gueule, toi aussi. Toi aussi, voilà, vas-y, fais ton prout là, merci. Fais ton prout. Fais ton gré. Fais ton gré! Ah. Ouais. Ouais, allez, on va voir les prostitutes. Fais ton prout. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, allez avec moi sur le chat, à vous. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, Headbang Radio. 2, 3, 4, 5. Bravo, quel homme. Merci à vous. 1, 2, 3. Ah oui, merci, moi aussi. Merde, j'ai pas eu le temps de... En fait, je charge trop vite. Du coup, j'ai pas le temps de regarder les précieux conseils que m'offre ce jeu magnifique. Pas le prout. Et un prout. Oh, regarde, petit moonwalk. Ah. Ah, j'avais le bougada. A-Q. Oui, d'accord. Ah, mais c'est bon, je me fais pas toucher par le truc vert. Ah ouais. Victimisation. Alors quand on te disait d'utiliser ta tête, c'était pas comme ça, je crois. Mais bon, si tu veux. Oula, il y avait du prout. Oh, il y avait du prout partout. Il y a du prout par-ci, du prout par-là. Tomate par-ci, et tomate par-là. Ah. Ouais, d'accord. Pourquoi je sentais venir la... Le bullshit était présent, ça se voyait direct. Ah, attendez, regarde. Il y a un petit truc en dessous là. Vous le voyez ou pas? Ça se trouve, c'est tout comme moi là, il faut aller. Voilà. Ouais, d'accord. Ils sont bien cachés là, les timoches là. Oh, les hitbox, mon gars. C'est chelou, hein. C'est The Grapefruit Technique. Pour les connaisseurs, bien sûr. Là, c'est ce que je subis au quotidien avec vous. Voilà. Oh, il twerk un peu. Mais je déconne. Non, en fait, c'est ce que je subis avec vous au quotidien. Mais en fait... c'est que du bonheur. En fait, c'est des baffes de bonheur. Tu vois, je vis du bonheur avec vous, du love. En fait, vous me balancez du love et des beats en plein dans la gueule toute la journée. Tu vois, au bout d'un moment, ça, c'est mind blowing de bonheur. T'aimes juste la douleur, pauvre enfant. Oui, c'est un truc ça. Ouais, je suis sûr, c'est à la fin là. C'est la fin de la grosse montagne. Ah, putain, j'ai pas regardé à combien de pourcents on était. Mais c'est is ok. Cortex Power. Cortex Power. Y'a pas des tricks, non. Oh, gros. Ouh là là. La vieille perspective dégueulasse, ouais.
J'en étais sûr, mais j'en ai rien à péter, ouais. La 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 la, on a encore un cul à cul. Alors, l'autre côté, à mon avis, c'était le côté chiant, le côté dur. Mais ferme-la! C'est quoi ton problème, meuf? Ou gars, enfin la fouine, la hyène, pardon. C'est la hyène de la mafia de qui veut la peau de Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger... non, qui veut la bite de Roger Rabbit. Genre. Ah merde, c'était une vie. Quel enfer cette vue! Ah. Attends, il y en a d'autres là, il y en a d'autres là, c'est sûr. Ah, mais c'était là tout à l'heure qu'on est arrivé, ah, d'accord. Non? Si. Oh, je sais pas. Allez, let's go! Wow! Wow! Ah non, je ne suis pas fou. Ah mais la caméra quoi. Allô. Mais putain. C'est... Là, je suis sûr on peut revenir derrière, mais alors, c'est quoi? C'est comment j'ai envie de tester? C'est proche de zéro, hein. Là, je veux juste terminer le plus rapidement possible ces niveaux de merde. Oh non! The Crash Bandicoot 1. J'adore ce jeu. Je vous l'ai dit ou pas? Mais je suis dessus. J'ai vu l'ombre. Je t'emmerde, je t'emmerde. Voilà, je t'emmerde. Merci pour le coup. J'en ai rien à foutre. J'ai vu l'ombre sur la caisse. C'était bon. J'étais dessus, madame. Pourquoi? Voilà, speedrun. Allez, speedrun, c'est bon. J'ai les cycles. Je connais tout par cœur. Merci, au revoir. Alors, tac, tac. J'y crois pas. Allez. Oh putain. Oh là là. Oh mais non. Mais j'y crois pas. Putain. Mais c'est pas vrai. C'est n'importe quoi, sérieux. Mais nique-toi. Mais suce mes pieds. Jeu de merde! Voilà, c'était la fin en plus! Oh, mais niquez-vous! Oh, j'y crois pas. Ouais, 15 caisses, ouais, d'accord. Grosse ambiance, hein. C'est-à-dire qu'on va devoir se taper un niveau, alors. Au poil. On était juste... Oh mon dieu. Combien de pourcentage? Ça m'aimait pas le pourcentage, j'ai pas droit au pourcentage, j'ai plus droit au pourcentage.
Ah l'enfer, mais passe par-dessus ton usine, rentre pas dedans, qu'est-ce que tu t'emmerdes? T'es dessus là, non? Generator room. Ah ah, je suis le grand méchant, je suis Cortex, Néo Cortex. Je suis pas ancien, je suis le nouveau Cortex. Je veux dominer le monde, mais... Je suis sûr, il y a un truc à droite, on a vu un truc à droite ou pas? Ah putain, je suis sûr, il y a un petit truc à droite. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ce bordel? Oui, oui, d'accord. Ouais, au bout d'un moment, on ferme là, quoi. Pap, 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 pap. Je sais pas à quoi ça sert le truc que j'ai. Sur lequel j'ai appuyé. Ouais, on fait ça et attends. On va attendre que le truc réapparaisse. Attends, je suis sûr rien. Ah, c'est ça sur lequel on a appuyé tout à l'heure, je pense. Oh, c'était. Pourquoi c'était aussi obvious? Ouais. Oui. Oui, Candy. Candy Bandicoot. Alors, ça se trouve. Non, mais non, ça, si elle s'appelle Candy Bandicoot, ça veut dire que c'est un membre de notre famille. Ça veut dire qu'on peut pas la tringler. Pardon, on peut pas lui faire des bisous. Pardon. La harponner. La trousser. Ah oui, d'accord, du coup c'est baisé, j'imagine. Bon, je peux quand même y en... Ouais. Salut Tony. Ah non, mais je l'ai déjà fait le niveau du pont. Attends, en plus je suis pas mort tant que ça. En vrai, il y a des niveaux où je suis mort beaucoup plus de fois que ça. C'était beaucoup plus la douleur en tout cas. Et comment pour y aller en bas? Ah ouais, d'accord. Ah, on en est là donc. Mais je peux pas sauter dessus là-bas tout au fond? Les perspectives de merde, allez. Putain, allez, c'est bon. Ah la maison. C'est n'importe quoi. Speedrun. Speed death. Ah, tu peux pas speedrunner en fait. Mais les deux mètres derrière! Oh! Oh! Non! Oh, secours! Putain, où le beau gosse, ouais là! Oh shit! Alors les trucs en bas là-bas, laisse tomber. Hein. J'ai pas compris. Pouet. Ah mais c'est là. Ils ont mis un but. Ils ont mis un but? Non. Ah non. Je commence à avoir très mal à la tête. Mais non, mais pourquoi tu tombes? Ouais, bravo. C'était aussi simple que ça. Putain.
pas. Attends. Très bien dosé là, c'était parfait, le timing parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah là, là j'en ai plus rien à foutre, je m'applique pas du tout. Ça se voit, je pense que ça se voit. Alors attends. Ah. Voilà. T'as cru que je t'avais pas vu? Non. J'aime pas trop. Oh non. 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 C'est pas clair la perspective, jeu de merde. C'est pas clair, c'est pas clair. Ne me fais pas ça, merci. Quoi, danger? Safety first. Safety first. Je suis à 52? Et... Je suis 52 sur 52, il est où mon diamant? Tu me files pas mon diamant, je te défonce. Mais tu es mort. Ah d'accord. Ah bah très belle expression, c'est exactement ça à l'intérieur de moi. Ressamande. Presque parfait. Mais tu es mort. D'accord, bah ok. Bon. Ah ouais, un client sur 10 recommande feu vert. Et du coup il y a un partout. Il y a un partout, c'est ça? Toxic waste. Oh le waste. J'ai raté quoi? Oula, rien, oh, pas grand chose. Savais-tu que ce jeu pouvait éventuellement sucer mes pieds? C'est quoi? C'est un boss? Non. Et ta gueule un peu, voilà, ça marche? Oh, c'est métal! Vivement le moment où on pourra éclater aussi les trucs en faisant les plats là. Ah là là, je le sens pas, je le sens pas. En faisant ouais, des gros plats en l'air là. Enfin, on sent les lance et on éclate. Voilà. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça. Je pense qu'on s'approche de la fin comme ça. Parce que si c'est comme dans le 2, comme dans le 2, comme dans le 2, comme dans le 2, t'arrives dans une sorte de truc. Enfin, plus t'avances et plus t'es dans la technologie, donc plus tu te rapproches du. Le cortex, en fait, donné au cortex, donc du boss final. Toujours boss final, je crois. Ah 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 ah. Oui. Oh, vous avez vu cette lucidité? Oh, j'y crois même pas moi-même. Non! Je te l'interdis! Oh, je me suis quand même fait toucher, merci à coup à coup. Hein. Mais oh la lucidité! C'était tout calculé! Oh là là, quelle dextérité incroyable! Je pensais pas que ça pèterait. Oh, elle a l'air contente, tu sais. Oui, tout a pété. La mienne qui explose, chérie. Je vais montrer quelque chose qui est. Qui explose. Attends.
Non, j'étais sûr, ça passait pas. Ah, bien joué, mais tu es mort. Oh, faire la même chose, mais sans mourir. On arrête de compter. Je suis mort. En plus, une fois. Ah oui, en plus, oui. En plus, c'était au poil de fion. Oh, j'y crois pas. On arrête à 10.182. Ça porte un nom, ça, non? Pinstrip. Potoro. J'ai vu le poteau rose. Saviez-vous que... Hein, vous l'écrivez comment, d'ailleurs? Ah, j'ai vu le poteau rose. Vous l'écrivez comment? Sans regarder sur Google, hein, bien sûr. Est-ce que vous étiez un connard comme moi? Ou une connasse comme moi? Enfin, non. Enfin, vous avez compris. D'accord. C'est tout? Je dis pas que c'est juste ça, le boss, hein. What the fuck? Mais ferme-la. Blablabla. Attends, il va sortir une grenade ou un truc comme ça? Ah oui, d'accord. Ouais, je suis con, mais... Je sais pas pourquoi je pensais que... Mais... Il était pas caché, là. Planque-toi, enculé! Poteau rose, ouais, exactement, Antique. Poteau rose, ouais. Ok, bon, vous êtes fort, Poteau rose, Gana, elle l'a vu. Ouais, en fait, non, ouais. C'est exactement comme ça, Gana. Mais alors, quel poteau rose? Tu veux voir mon gros poteau rose? Oh merde. Mais tu es fou! Joli backflip! Joli backflip! Jean-Pierre backflip! Je vais me mettre là-bas parce que c'est là où je me sens mieux. J'adore ce fauteuil. J'aime l'odeur de son cuir un peu légèrement brûlé sur le dessus. La texture un peu, voilà, qui fait penser éventuellement à un canapé promotion. J'adore le sky. Salut Mathieu, 654. Bienvenue à toi. Je rage absolument pas ce soir. Je suis absolument pas salé.